La méthode pour guérir la sciatique. La douleur sciatique affecte le dos, la hanche, et le côté externe de la jambe. Elle est survenue lorsque le nerf sciatique est comprimé ou irrité. Habituellement, elle est suivie par un engourdissement et une sensation de picotement, et c'est la raison pour laquelle vous restez plus longtemps sur le lit en prenant des analgésiques. Le nerf sciatique est le plus grand nerf dans le corps humain responsable du mouvement, la sensation, et la force de chaque jambe. Les symptômes de la sciatique les plus communs comprennent des sensations douloureuses et les crampes. Souvent, ces symptômes sont accompagnés par des picotements et des engourdissements dans les deux côtés de la fesse, de la jambe ou du pied. En général, la sciatique se produit sur un côté ou un autre, et non dans les deux jambes simultanément. La sciatique peut être causée par une hernie ou glissement discal. En outre, il peut se produire à la suite d'une lésion médulaire ou d'une infection, une maladie dégénérative du disque, la sténose spinale, spondylolisthésie sismique, la grossesse et le syndrome du piriforme. Il y a un certain nombre de traitements conventionnels pour le traitement de la sciatique, mais ceux-ci soulagent la douleur temporairement. En outre, la plupart des injections anti-inflammatoires peuvent avoir des effets secondaires graves. Par conséquent, vous pouvez utiliser certains remèdes de maison et les thérapies naturelles qui peuvent réduire efficacement l'inflammation et de la pression sur le nerf sciatique irrité. Note, la douleur disparaît avec le temps, environ 6 semaines, et le repos approprié. Remède naturel pour traiter la sciatique. Des compresses chaudes froides. Ces compresses peuvent réduire efficacement la douleur sciatique et de l'inflammation. Le traitement thermique a la capacité à soulager la douleur de sciatique et réduire l'inflammation. Le traitement thermique détend les muscles qui compriment le nerf sciatique. Le traitement par le froid réduit l'enflure autour du nerf et soulage la douleur. En outre, vous pouvez alterner la chaleur et le froid, en commençant par la compresse chaude et se termine avec la compresse froide. Dans le traitement à chaud, vous devez utiliser une serviette à la vapeur. Placez la compresse chaude ou froide sur la zone touchée pendant 15-20 minutes. Répétez la procédure toutes les heures jusqu'à ce que vous obteniez un soulagement. Arnica. Appliquez-le sur la zone douloureuse chaque fois que vous ressentez une douleur. Écorce de saule. L'écorce de saule est efficace dans le traitement de la douleur de longue durée. Il est riche en glycosides phénoliques avec allicine qui fournissent des effets anti-inflammatoires et analgésiques. Ajoutez 50 g d'écorce dans 1 litre d'eau et laissez toute la nuit. Le lendemain, faire bouillir le mélange pendant 15 minutes, puis laisser le refroidir. Filtrer et verser la boisson dans un récipient en verre. Consommer 3 tasses de la boisson sur une base quotidienne. Safran des Indes.
curcuma a des effets anti-inflammatoires puissants, il est idéal pour le traitement de la sciatique. Le curcuma qui peut réduire la douleur et l'inflammation du nerf. Tout ce que vous devez faire est d'ajouter 1 cuillère à café de curcuma dans 1 tasse de lait. En outre, vous pouvez ajouter 1 petit bâton de cannelle. Faire bouillir le mélange. Sucrer avec du miel et de consommer 1 ou 2 fois par jour jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Note, les personnes qui prennent des anticoagulants ou des médicaments contre le diabète devraient éviter d'utiliser le curcuma. En outre, il n'est pas recommandé pour les personnes atteintes de calculs biliaires.